Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pasteur Eternus, Vatican I, en conséquence, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire. Ce pouvoir de juridiction, type romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rang, de tout rite, fidèles, chacun séparément et tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent la discipline et le gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ainsi, en regardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife, en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau, un seul pasteur. Telle est la doctrine de la vérité catholique dont personne ne peut s'écarter sans danger pour son salut.